Salut mes petites merguez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour un nouveau défi. C'est le troisième de la saison. Là, j'enchaîne quoi. Parce que j'aime vraiment beaucoup la saison. Le défi d'aujourd'hui sera de faire top 1 sans son. Donc j'ai vu que ZFar, si je ne me trompe pas, avait fait la vidéo il y a 2 semaines. J'ai pas regardé en entier pour voir s'il avait réussi et tout. Dès que j'ai vu, je me suis dit, je vais le faire. Bon, je pense que ça a rien que je mette la chaîne de ZFar en description et tout. Dans tout cas, vous le connaissez, j'imagine. En gros. Ça va être particulier parce que vous allez pouvoir entendre le son, mais pas moi, parce que moi j'ai un paramètre sur mon casque qui fait que ça va enlever le son de mon casque. Donc moi je pourrais pas l'entendre, mais vous oui, parce que si vous aussi vous n'avez pas de son, c'est vraiment chiant, on est d'accord. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description, c'est une ambiance assez cool là-bas, etc. Bah en tout cas, bon visionnage les gars, hein. Puis on espère qu'on va faire top Donc 1. voilà pour le troisième essai. Donc dans les deux premiers essais, j'ai expliqué que j'avais désactivé les passe-sourds. En gros, les passe-sourds, c'est ce qui fait que vous entendez, comment ça s'appelle? Enfin, c'est pas vous entendez, vous voyez des effets sur votre écran qui montrent les coffres aux alentours, comment ça s'appelle, je sais pas, les joueurs qui marchent, les tirs, etc. Vous le voyez tout le temps dans les vidéos, parce que ça fait 4 ans, 4 ans que je l'ai pas désactivé. Je me rappelle, c'était un pote qui m'avait montré, mais il est vraiment hyper cheaté. J'ai aussi enlevé les vibrations, et du coup le son, ça c'est logique, c'est le titre. Parce que si j'enlève tout, juste le son, et je laisse les vibrations, et les pas sourds, bah c'est juste trop cheat. Parce que si j'ai les pas sourds, pas besoin de son. C'est le but en fait pour les sourds, si je ne me trompe pas. Normalement, je suis en solo, ils sont tués. Parce que j'allais dire, les deux sont spawnés au même endroit. Ça se trouve, ils sont en équipe. Ça, c'est une faille, non, c'est une répulse. C'est pas grave. Je vais quand même prendre des trucs pour fuir parce que je suis pas sûr de moi. Hein. Oh putain, mais j'ai raté. En plus, je perds quasiment la moitié de ma vie. Bon, j'aurais pu mourir. Mais bon. Pour l'instant, le défi il est assez simple parce que les 2 premières games, je suis mort juste à cause de mon niveau qui est merdique. Et pas à cause du défi, donc ça me rassure. Enfin, ça me rassure. Vous me comprenez quoi? Et ça fait vraiment bizarre. Hein. Vous devriez le tester chez vous juste pour le fun, parce que vraiment, c'est spécial de jouer comme ça. Let's go, il y a un medikit. On va se le mettre. J'espère qu'il n'y a pas de joueurs qui vont arriver. Ça, par exemple, je ne pourrais pas le savoir. Parfait. On va pas perdre la vidéo non plus, parce que quand même, on va pas oublier que je suis platine 2. Le but, c'est d'arriver dans le top 5. Ce qui est bien dans le top 5, c'est que c'est simple, mais à la fois, c'est un petit peu dur. En plus, je peux avoir du rage, je vais être top 4, top 3. Comme ça, je passe pas des heures sur une vidéo parce qu'il y a des vidéos vraiment, vous en savez rien, mais j'ai passé des heures. Mais des heures. C'est une dinguerie. Du style la vidéo avec les armes épiques que j'ai faite avec Kiwix. Au début, je devais la faire en solo, tranquille la petite vidéo. Mais au final, tellement c'était dur, j'ai demandé l'aide d'un collègue. Hein. Vous imaginez l'illumination. J'ai dû passer 3 semaines dessus. Carrément, il y a eu 3 mises à jour. Non, mais c'était une dinguerie. Là par contre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les passe-sourds sont activés. Je sais pas, j'ai vu. Je sais pas si c'est moi qui. Enfin, c'est mon cerveau qui bug. Mais j'ai cru voir genre des passe-sourds qui m'ont indiqué qu'il y avait des tirs vers là-bas. Je sais pas ce que café. J'avais un peu oublié son existence à ce truc. Mais je crois pas qu'on puisse le désactiver. En tout cas, je sais pas comment. Ouais, hop, nickel. On va essayer de pas se faire exploser la tronche. S'il faut, je peux faille, mais je sens que je peux les failles. Non. On faille, on faille, on faille. 44 PV, je préfère pas prendre de risque. On va aller vers ouais, le stade de foot. C'est vraiment bizarre comment je parle. La galéritude. Oh putain, mais oh, heureusement, j'ai pas pris de dégâts dessus, j'aurais chialé. J'espère que j'aurai un medikit là-dedans. Un buisson, c'est déjà ça. Moi, perso, j'adore les buissons. C'est dingue, c'est trop de cheat. Aïe, putain, wow, j'ai fait tomber. Oh, je suis vraiment con. Je pense que je vais prendre les midi machin. Pas les midi. Les boogie boogie dance. Dire ça s'appelle comment est-ce que. Boogie wiggy. Parce que moi je veux toujours c'est des boogie dance. Vu qu'il y en a 4, autant les prendre, on sait jamais, ça peut aider. Je vais aller voir s'il n'y a pas du soin dans le stade, en espérant qu'il n'y ait pas des joueurs. Pareil, là j'y vais tête baissée et tout. Ah, là il y a du soin. Une fois que je suis soigné, je vais ouvrir le coffre là-bas en cas où. Je vais sûrement rush encore T-Ted ou Luke Lake. On va mettre un petit but au passage. Voilà, ça c'était comme ça. Ah, j'ai pas le son, on me disait, ouais, ça a bugué, mais non, j'ai juste pas le son. Comment on fait? Nickel, il y a des mini, je vais pouvoir les prendre sur moi. Bon, les boogie woogie, ça dégage. J'ai rien pour Rota, enfin j'ai des répulses, mais bon. Je sais pas si je vais utiliser pour Rota. Peut-être mieux pour fuir. Ah, merde, nickel. Il faudrait aussi un cramponneur, ce serait bien. On dirait que je fais mes courses. Alors, est-ce qu'il y a encore des joueurs dans la ville?
Là, je crois avoir un cramponneur là-bas. Non, c'est un pistolet. Non, mais pas, c'est un pompe. D'ailleurs, ce pompe qui le joue, je suis désolé. Hein. Déjà qu'on n'en croise jamais. En plus, personne ne le joue. Allez, ouais, ok, là, il y a un coffre. Allez, on réussit le jump. Putain, ce jump, il est trop dur, wesh. Enfin, bon. Je sais pas, je me bloque dedans. Tiens, un deuxième buisson. On en a déjà un, donc c'est pas grave. Il n'y a plus personne. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. Vu que j'ai pas les passe-sourds, j'ai pas les sons, le son. J'ai rien. J'en sais rien. Ah, il y a une faille qui a été utilisée. Ça, c'est-à-dire qu'il y avait un joueur, peut-être même un deuxième. C'est une faille qui a été utilisée, souvent c'est quelqu'un qui fuit. Non, c'est dommage, j'aurais pu m'en servir pour repartir vers le fake. Ah! Putain! Oh putain, mais mec, c'est un. Il m'a rush, il a commencé à faire la statue de la liberté, le gars. Je vais essayer de fuir vers le quad ici. Nickel. Hop, on va se barrer en quad. J'espère qu'il apparaît plus vers moi et qu'il est à 2 mètres. C'est assez dangereux. Lui, je vais pas le jouer parce que bah, je peux dire qu'on a pas de field assez vite. Il a l'air de savoir qu'on fait que des bandits, hein, que des bots. Vous êtes pas encore prêts. Allez, on va essayer d'avancer. Et ça m'a fait trop bizarre de me faire attaquer. Genre, sanction et tout. Et tu j'arrive toujours un peu après shot les adversaires. Ah, j'ai plus de construction, ok. Dis pourquoi je peux pas construire. Ok. Il y a une grosse théorie, faudrait que j'aille la chercher. Nickel, j'ai des constructions. Voilà, il y a les clés. Hop. Ouais. Oh non, mais j'ai crevé à cause de ça. Vous voyez que tout à l'heure, quand je vous ai dit, ouais, je crève à cause de mon niveau et tout, bah voilà. Je crève parce que, après 5 ans sur Fortnite, j'ai toujours pas compris qu'il fallait toujours avoir des constructions. Voilà pourquoi je vais mourir. En plus, j'ai pas le son, donc si soit c'est là, et que je regarde dans ce côté, je le saurais pas. Ouais, peut-être que si j'ouvre ce coffre, j'aurai des constructions. Enfin, j'aurai des. Oh oui, j'ai encore mieux que des constructions. Non, fuis bien. Si tu fuis, fuis-le bien. Aïe. Par contre, on va croire que je me suis accroché à de l'eau. Allez! Bon, on va dire que je suis à l'abri. Je sais pas trop où il est. J'ai essayé de fuir un petit peu comme ça. Nickel, il y a un overboard. Oh, c'est parfait. Là. Oh, je suis en train de me refaire. Enfin, refaire vite parce que je sais pas trop où il est. J'ai pas le son, j'ai rien. J'essaie de rester concentré un minimum. Voilà, l'overboard, on va le garder proche de nous. Proche de nous. Le proche de nous en question. C'est bizarre. Genre, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à farm. Et puis, même en ouvrant des coffres, normalement, t'as des constructions et tout. Genre, même sans farm, t'as quand même des constructions. On continue comme ça, il y a la zone qui va arriver, faudrait que j'aille chercher mon overboard. J'ai pas gagné plus de matériaux en venant les innings. Enfin, mis à part les arbres que j'ai cassé, ouais, voilà. J'en perds mes mots. Oh, dinguerie le motel. Nickel, on va pouvoir farm le métal ici. J'ai zappé son existence. Moi, c'est dingue. Je pense qu'on va y aller comme ça. Parce que les gars, j'ai beaucoup trop de respect pour l'engrenade. Hein. Ok, j'ai fait un kill. C'est déjà ça. Ok. Non, ça y est, je suis mort. En fait, dès que tu rates ton truc de roquette. Non, ça, de roquette, qu'est-ce que je Waouh, de cramponneur, t'es fichu. Bon, pas dans ce cas-là. Mais bon, normalement, t'es fichu. Là, je sais pas s'il me rush ou pas, c'est assez chiant. Mais j'ai fait un kill, je pourrais pas dire que j'ai rien fait. J'ai pris des risques. Je suis un homme dangereux. Il y a. Ok, nickel, il y a un buisson. Il y a des joueurs à pleasant. Je vais leur tirer dessus de loin. Je vais mettre ling. Je mets le buisson au cas où. Il est là ou pas. Ah, il commence à éclore. Il est derrière les arbres. Oh, en plus, il est en quad, jamais je le toucherai. Ah, touché, ok. Après, je fais le quad. Pas ouf. Je pense que je vais essayer de prendre genre le gars qui m'a tiré dessus par là. Il va sûrement rota dans ce sens là. Il doit être quelque part dans les parages. Peut-être un peu plus avancé. Je pense qu'il va passer entre les deux montagnes. Bon, il n'est pas là. Il aurait su. Peut-être qu'il va contourner la montagne. Parce que sinon il aurait pris mon overboard. Ouais, il est là-bas. Je suis un génie. Bon, enfin, ça j'y règle le truc. Okay, là, il m'a. Ouais. Il a remarqué ma présence.
Mais je vais miser 0 balles, donc on va s'écarter, c'est pas grave. Je pense que le mieux ça va être d'aller en zone directement. Top 7, on encore 2-3 éliminations. Enfin 2, qu'est-ce que je raconte 2-3. Le grappin, je vais l'utiliser vraiment juste pour fuir. Okay, je crois qu'il y a un quad à la station d'invis. On va aller le prendre, c'est nickel. Pas besoin de farmer construction. Je suis assez bien. Allez, plus qu'une élimination. Bon, c'est ok, top 5. C'est pas très mérité, mais bon. Peut-être qu'on se rattrapera vers la fin et qu'on va faire les 3, les 4 derniers kills. On sait pas. Ou peut-être que je vais mourir en 5ème, hein, comme une merde. Ok, ouais. Allez, peut-être. Peut-être que le lance-grenade va encore me carry. Comme à toutes mes games. Allez. Je sais pas où il est. Oh non, je me suis fait casser mon kill. Bon les gars, je vais le compter comme mon kill. Hein. Ok. J'ai raté. Allez. Non putain. Ah il avait un bon shoot. Oh j'ai trop le seum. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est dommage, j'ai fait que top 4. Je pense qu'on peut mieux faire. J'ai un peu fui toute la partie. Mais ce défi, je le mets de côté. On va le dire réussi à moitié parce que j'ai vraiment pas fait grand chose, il y avait qu'un kill. Bon on va quand même dire deux parce que il me la caisse, j'ai mis un HP avec le quad, avec le lance-grenade, etc. Mais c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu, mes petites merguez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et puis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao.